Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous parler un peu de la Team Derby. Donc je fais cette vidéo là, ça va être l'accord de Onyx. Donc je lui ai posé, il m'a dit oui. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que en fait on m'envoie des messages sur Facebook en privé en me disant est-ce que je peux venir dans la Team Derby. Mais le souci, c'est pas moi qui commande, il y a un règlement, il faut le respecter. C'est nous, moi ça arrête et moi, je vous arrête, bah pareil, il y a un règlement, mais c'est pas moi qui décide, donc je peux pas vous dire oui ou non. Donc je suis obligé d'en parler au chef, et après le chef il me dit bah il faut tester, bien sûr, je connais la réponse. Donc cherchez pas à me demander à moi, il faut poser la question à Onyx. Donc vous avez l'espace commentaire pour poser les questions, et aussi sur ma page Facebook, vous, bah même sur ma page Facebook, vous avez juste à poser les questions, puis moi après j'envoie, par exemple si Onyx par exemple il n'a pas vu le message, je peux lui dire bah tiens va voir sur ma page Facebook, il y a eu un message, est-ce que tu peux répondre, voilà, envoyez pas plutôt en privé, plutôt en commentaire sur ma page Facebook, comme ça lui il peut voir, il peut vous répondre tout simplement, et pareil sur YouTube, vous me l'envoyez dans les descriptions, en dessous, dans les... En dessous sur la vidéo, vous me l'envoyez dans les commentaires en me disant bah tiens, aujourd'hui est-ce que je peux venir dans la team et tout. Comme ça, moi j'en parle à Ogunix juste après. Ou ça peut être des personnes d'autres de la team qui vous répondent, comme Anto, Luffy, Didou, voilà le reste. Donc s'il y a des personnes qui vous répondent, ça sera peut-être pas moi, ça peut être les autres personnes de la team. Donc après, ils ont le droit de répondre aussi parce que c'est eux la team. Parce qu'ils sont là de plus longtemps que moi, tout simplement. On va commencer, bien sûr, on est sur Xbox One, pas sur PS4, parce qu'il y a des personnes qui me demandent est-ce que tu joues, la Team Derby joue sur la PS4, non, c'est sur la Xbox One. On est sur Xbox One, donc cherchez pas à nous dire dans les commentaires, bien sûr. Donc le règlement, c'est très simple, il y a plusieurs choses à respecter, donc l'âge limite, c'est 18 ans, pas en dessous 18 ans, cherchez pas, si vous avez moins de 18 ans, c'est non. Me demandez pas pourquoi dans les commentaires, c'est comme ça, c'est voilà, c'est la vie. C'est triste pour vous, mais voilà, il faut avoir 18 ans, donc revenez plus tard, j'en vais vous dire, tout simplement. Mais c'est comme ça, il faut avoir 18 ans, on peut pas vous dire oui si vous avez 16 ans, c'est non, tout simplement. C'est 18 ans minimum, c'est pas moi qui l'ai inventé, il me l'a envoyé comme ça, donc vous pouvez rager dans les commentaires, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc soyez pas trop méchant non plus, mais c'est comme ça, ça on peut pas faire autrement, c'est 18 ans minimum. Donc il cherche... La Team Derby cherche des personnes un bon comportement, calme et posé, et surtout à l'écoute. Donc c'est-à-dire des personnes qui parlent mal, des personnes qui sont pas à l'écoute quand vous dites quelque chose, ou voilà, des personnes qui sont pas posées non plus, c'est la porte directe. C'est très simple, c'est la porte directe parce que vous êtes ban. Donc si vous êtes, vous voulez pas vous faire ban, il faut être à l'écoute, il faut être respectueux, il faut être, bah voilà, voilà, il faut pas avoir de soucis. Si vous avez des soucis, ça sert à rien de venir, si vous foutez un peu, on va dire, entre guillemets, la merde un peu partout, ça sert à de venir dans la team. Donc du coup, voilà, tout simplement, c'est que il faut être à l'écoute. Si on vous dit une fois, arrête, et vous écoutez pas, bah après c'est la porte, et bah la porte elle se referme derrière vous, c'est-à-dire vous êtes ban à vie. Donc cherchez pas à envoyer des messages en privé, ou même sur la Xbox en disant, est-ce que je peux revenir? Non, vous êtes ban, mais vraiment partout. Donc ça sera un peu couillon, entre guillemets, se faire ban pour un oui, pour un non. Donc je vous précise, bien sûr, donc soyez calme, à l'écoute, et bah gentil avec la personne, bien sûr. Si vous êtes gentil, on est gentil avec vous. Si vous nous parlez mal, on va vous parler mal. C'est la moindre des choses. Il faut quand même respecter les personnes. Donc moi, depuis que je veux vous dire, depuis que je suis dans la Team Derby, j'ai pas eu de soucis. Ça va pas faire encore un an. C'est tout juste quand même. Ça fait ouais, ça va pas faire un an encore. Et depuis que je suis avec eux, il y a pas de soucis. Il y a pas eu d'embrouille. On en rigole. On profite et puis on s'amuse entre nous. Mais voilà, il y a pas de soucis. Il y a quand même une limite, bien sûr. Mais on se prend pas la tête, on est à l'écoute tous. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Donc s'il n'y a pas de souci, vous pouvez rester dans la team. Mais si oui, il y avait des soucis, bah après c'est la porte directement et vous êtes ban à vie. Donc ça sera un peu dommage. Donc voilà, il y a un test de 14 jours à faire sur la console. Donc pendant 14 jours, vous êtes testé. Donc peu importe du temps, ça va être sur GTA pour savoir comment vous êtes, le comportement. Donc me demandez pas dans les commentaires ça va être quoi le test, je vais pas vous le dire parce que sinon si vous allez me dire ouais c'est trop facile, je peux rejoindre comme ça la team et tout, les doigts dans le nez, c'est trop simple. Non, je vous dis pas le test. Du coup si la Team Derby regarde cette vidéo, va vous dire la même, ils vont pas vous dire le test. Il faut attendre vraiment le jour J que vous allez venir dans la team pour vous dire le test. Mais là je vais pas vous le dire parce que sinon ça sera trop facile, tout le monde va vouloir venir. Et voilà, donc il y a un minimum de choses à respecter, c'est la moindre des choses. Donc c'est très simple, il faut tout simplement
passer le test pour savoir si vous pouvez venir dans la team. Donc pendant 14 jours, vous avez un test à respecter. Donc c'est un peu normal. Donc ils cherchent aussi des personnes qui sont, comme j'ai dit, préférence aussi connectées. C'est-à-dire on joue pratiquement tous H24, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Après, si vous avez des soucis, ça peut arriver. Vous n'êtes pas obligé de venir. Vous avez juste à nous dire, non, aujourd'hui je peux pas jouer, ou aujourd'hui je peux pas jouer, demain je travaille, ou demain j'ai cours. Bref, vous nous dites dans les commentaires. Nous, on peut comprendre, bien sûr. On n'est pas non plus des monstres. Je vous précise, si vous avez des soucis de famille, bref, vous avez juste à nous dire. Voilà, nous, on joue H24, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Donc, je vous dis quand même les horaires, parce qu'il nous a pas dit, Onyx, il m'a pas donné les horaires. Mais je vais vous donner quand même les horaires pour les personnes qui veulent savoir. On joue vraiment tard. Donc il y a des personnes qui arrivent vers de 21h. Il y a des personnes qui vont arriver dans la soirée, ça peut arriver. Et on reste jusqu'à peut-être 2-3 heures du matin. Ça dépend pour avec qui. Je sais des fois quand je joue avec Anto, on reste jusqu'à 3 heures du matin, ça peut arriver. Donc c'est pour ça, si vous êtes motivé, bien sûr, si vous n'avez pas cours le lendemain, si vous ne travaillez pas, voilà, donc le souci c'est que il vous reste les vacances ou le week-end, mais il nous faut plutôt des personnes qui soient connectées vraiment tout le temps pour jouer. Donc, du coup, pour ça, nous, on joue de, je vous dis, 23h, peut-être jusqu'à minuit minimum pour certaines personnes. Après, des fois, ça peut se pousser jusqu'à 3h du matin, ça dépend. Après, voilà, c'est quand on est motivé, quand on veut jouer, j'ai envie de vous dire, entre guillemets. Mais sinon, c'est 21h à peu près, on est là, et après, on joue toute la soirée. Donc, on fait un peu tout sur GTA. Donc si tout le monde est connecté de la team, s'ils sont tous motivés, on se fait tous un GTA, donc c'est-à-dire on fait plusieurs activités. Donc je vais vous dire vite fait les activités qu'on fait. Donc on fait des courses, on fait des bowling, du bowling, on fait du Rocket versus un Sorzan, on fait du derby, désolé, on fait pas mal de choses. Après voilà, il y a des personnes qui trouvent des activités sur le Social Club, ils proposent aussi. Donc si vous avez des activités à proposer, dites-nous dans les commentaires. Ou voilà, aujourd'hui j'ai trouvé une activité, est-ce que je peux la tester avec vous? Voilà, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc on fait des courses, comme je vous disais, du bowling et du Rocket versus un Sorzan, puis après il y a du derby et tout. Donc voilà, Onyx, lui, il crée aussi des activités, donc on teste aussi ces activités. Après, si vous êtes fort au niveau de création d'activités, dites-nous aussi, comme ça, on peut tester aussi les activités. Donc, bien sûr, donc il n'y a pas de souci pour ça, on ne se prend pas la tête. Si vous trouvez, par exemple, aujourd'hui, une activité sur le Social Club, et, par exemple, vous êtes OK pour venir dans la team, et on peut la tester avec vous, puis si ça nous plaît, voilà, on vous dit, l'activité nous plaît, hop, puis voilà, on peut la tester, pourquoi pas. Et chaque jour, en fait, ça peut arriver, par exemple, on peut faire une liste pendant une soirée, ça peut être la même personne qui lance une liste de, je sais pas, on va dire, j'ai une bêtise, de 15 courses avec un mélange de bowling ou un truc comme ça, puis du coup, on profite pendant toute la soirée à faire ça. Donc ça peut être long, certes, mais voilà, ça peut vraiment pas mal découvrir des nouvelles choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que on peut créer une liste, voilà, il n'y a pas de souci. Si j'oublie des choses, j'invite à la team derby de me le dire dans les commentaires. De toute façon, il y a un règlement, voilà, il y a un petit des personnes qui vont de toute façon mis au courant quand ils vont venir dans la team. De toute façon, il va y avoir ça va être répété, vous inquiétez pas. Donc voilà, tout simplement, on recrute, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, mais on recrute des filles comme des garçons, donc pour ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, si j'oublie des choses, dites-moi-le dans les commentaires, pas vous mais la team d'Army, ils vont vous le dire dans les commentaires. De toute façon, même si j'oublie des choses, vous allez voir le jour J que vous allez venir. Donc tout simplement, moi sur ce j'ai rien à dire, le règlement il a été fait, c'était fait par Onyx. Voilà, si vous avez des questions ou n'importe quoi, pourquoi pas, on est à l'écoute, on va pas vous manger. Après voilà, comme je vous disais, s'il y a des soucis, c'est comme je vous disais, la porte direction de la porte. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à vous dire. Je suis en train de regarder en même temps l'écrit qu'il me l'avait fait Onyx pour vous dire un peu le règlement, mais je pense que j'ai rien oublié, je pense pas. Ah oui, oui, c'est ça aussi, je voulais vous dire, mais c'était pas noté. On joue aussi sur PS4, des fois on joue à plusieurs jeux. Ça dépend, des fois on peut jouer à Battlefield, voilà. Après vous verrez, de toute façon, quand vous allez venir dans la team derby. Mais sinon, ça reste aussi sur du GTA, des fois ça peut changer, bref. Tout simplement, mais de toute façon, si vous changez de jeu, vous allez juste à nous rejoindre aussi dans le groupe sur Xbox One.
Et par exemple, bah, ça peut arriver, par exemple, vous, il y en a qui vont jouer à GTA, il y en a qui vont jouer à d'autres jeux. Puis voilà, en fait, on reste dans la conversation, on parle toujours. Après, si on est par exemple 15 à jouer sur GTA, il n'y a qu'une personne qui est partie sur un autre jeu, bah, on va essayer de vous inviter pour venir sur GTA, en fait, tout simplement pour jouer tous ensemble. S'il n'y a que 2-3 personnes qui jouent à GTA, après, voilà, de toute façon, vous voyez ça tout simplement avec Onyx. Donc, je vous dis pas plus. Mais tout simplement, bah, on recrute des bonnes personnes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de me dire, bah, tout simplement, si vous voulez venir ou pas dans les commentaires, vous pouvez partager la vidéo autour de vous pour ça, bah, pour voilà, nous faire un peu connaître, on va dire, entre guillemets, parce qu'on recrute du monde. On est 30 joueurs au total, donc on joue pas tous en même temps. Sinon, ça sera le bordel sur GTA. Mais vous voyez, une partie à 30 joueurs, ça peut être pas mal. Déjà à 10 ou 15, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Et moi, je vous dis à très vite. Et ciao, bye bye. Salut tout le monde. Bon game à tous. Et si vous avez des commentaires, des questions à poser, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite. Et ciao, bye bye. Salut tout le monde. Bon game à tous. Salut.